pense que c'est une très belle initiative prise par le Maroc à travers Sa Majesté le roi Mohamed VI, que nous suivons de très près. Et nous pensons que ça aboutira à des propositions concrètes qui vont nous permettre quand même de bénéficier de tout l'appui qu'il faut pour mettre en œuvre nos projets d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Le Sénégal est un pays très vulnérable. D'abord, je commencerai par dire que nous avons 700 km de côte, et qui dit 700 km de côte dit potentiellement un problème d'érosion côtière que nous vivons au quotidien. Le Sénégal est un pays touristique et le tourisme balnéaire est très important au niveau du pays. Malheureusement, pratiquement au niveau du littoral, nous connaissons de gros problèmes d'érosion côtière pour lesquels nous voulons quand même avoir tout l'appui qu'il faut pour développer des projets de résilience. Le roi VI, c'est une décision assez sage que nous épousons. Hein, nous voulons vraiment et nous allions sur à cette déclaration. Nous allions sur cette déclaration et nous le remercions pour avoir éclairé la voie. C'est une très bonne chose. D'abord, le roi est notre porte flambeau dans le cadre de ce changement climatique. Nous comptons sur lui et que beaucoup de résolutions ont été prises. Je crois que la COP 21 en a bouclé tout. Il reste maintenant l'application dans les faits. Et maintenant, je pense que ces résolutions qui seront prises et les financements qui seront mis en place soient vraiment rétribués de manière efficiente afin que les pays qui auront un bon projet à présenter et que ces projets auront des effets sur le changement climatique, en tout cas, que je prie qu'on puisse les aider dans l'application de ces résolutions.